Oh putain! Oh putain! Les gens! Attention. Ouh. On est sur Assassin's Creed Unity! Wouh! Et bonjour à tous les amis, c'est KineKill. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Assassin's Creed Unity. On est bel et bien le 13. J'ai même pas attendu que le jeu soit fini de charger. J'ai dit bam, allez hop, on le fait parce que sinon je pourrais jamais le faire de la journée. Ça coche cet après-midi. J'étais. Oh, Assassin's Creed Unity! Oh mon dieu, je suis vraiment très content et très excité. J'ai essayé de le grappiller hier à Micromania, mais oh, c'est pas possible et tout. Ubisoft, blablabla, alors qu'il y en a certains qui l'ont déjà eu. Bref, est-ce que vous êtes prêts avec moi? Ça fait 2 ans que je l'attends, ce jeu, et je l'ai enfin. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce let's play avec moi? Donc, je suis archi excité, j'ai hâte. J'organe, tout marche bien, parfait. 3, 2, 1, c'est parti. Recherche du contenu additionnel. Non mais j'ai pas encore ajouté le contenu additionnel. Oh mon dieu. Oh. Le passé n'est pas perdu. Le passé vit en nous. Les expériences de nos ancêtres sont encodées dans les hélices de notre ADN. Après 3 décennies de recherche, nos ingénieurs ont façonné la meilleure des interfaces biotechnologiques. Nous avons débloqué les vies de nos aïeux. Nous avons ouvert une fenêtre sur le passé. Pour un divertissement en immersion totale. En pressant un simple bouton, vous vivrez les moments les plus précieux de l'histoire humaine. Depuis le confort de votre domicile. Bienvenue dans Helix. What? C'est plus Abstergo? Où le passé devient votre terrain de jeu. Donc j'espère que mon micro est assez fort, j'essaie de parler bien fort et clairement, parce que j'ai vu que... Enfin comment dire, que depuis quelques temps, je sais pas, je l'ai fait tomber une fois, et il est... Il est en dessous... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tous les... Hein? Bon, j'ai pas compris, donc on va aller à la tragédie de Jacques de Molay. Jacques de Molay était le dernier membre de l'ordre héroïque des Chevaliers du Temple. Un homme de principe et un esprit brillant dont la confiance fut trahie. Dans cet épisode de Héros déchus, découvrez les dernières heures tragiques de Jacques de Molay à travers le regard de l'un de ses plus proches amis et conseillers. Ouais, j'ai pas trop compris. Parce qu'il paraît qu'il y a énormément de gens qui sont déçus, notamment moi, je suis un peu déçu qu'il n'y ait plus de méta-histoire, entre guillemets, qu'il n'y ait plus d'histoire avec Desmond, c'est normal, parce que voilà, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Desmond est mort, hein. De toute façon, je pense que si vous regardez Let's Play de Unity, vous avez au moins fait les autres, ou vous connaissez un peu l'histoire. Et je suis un peu déçu qu'il n'y ait plus d'histoire, que ce soit un peu blacké, que ce soit focalisé sur l'histoire principale, mais bon, en même temps, ils ne peuvent plus vraiment faire d'histoire dans le présent, donc du coup, c'est bien s'ils se focalisent. Ah oui, on m'a prévenu que les temps de chargement étaient extrêmement longs. Alors c'est bon. Putain, je suis archi excité. Oh la vache. Qui va là? Un ami du temple. Floirac? Le message du conseil était formel. Tu n'es pas le bienvenu ici. Je dois parler au grand maître. Il est en séance. Avec les autres. Une autre fois, peut-être. Le roi Philippe désapprouve. Va au diable. Je me demande bien pourquoi tu ne pourris pas au fond d'un cachot. Oh là là. Il vient de zigouiller ce copain là. Pas cool. Attends, on croirait un film le bordel quoi. Nous avons été trahis. À vos épées, messieurs. Défendez le temple. Pas toi, mon frère. J'ai une autre tâche à te confier. Viens avec moi. Nous jouons donc un templier. Le roi Philippe a agi plus vite que prévu. Oh putain. Quelqu'un d'autre. Le pape. Les assassins. Les assassins.
Cela fait des décennies que les Khans mongols ont sapé leur pouvoir. Les assassins existaient bien avant Masya. Leurs illusions anarchiques sont aussi virulentes que la peste. Et encore plus tenaces. Eh, regardez-moi comment c'est vachement beau comparé aux autres Assassin's Creed. Putain, Oh, tes cheveux un peu cake. Nous ne triompherons pas ce soir. Mais si tu te hâtes, notre ordre peut être sauvé. Que dois-je faire? Rends-toi à la vie. Prends l'épée et le livre. Cache-les. Ils ne doivent pas tomber entre les mains des assassins. Grand maître, je... Va! Par contre, c'est vrai que les baisses de framerate se sentent un peu. Hein. Est-ce que c'est le même système de parade que... Oh là là, on se fait sur Chivalry. Oh là là, je suis archi content. Tu veux pas monter? Non, tu veux pas monter. Il n'a pas la dextérité d'un assassin. Abaissez-le pour le vide. Abaissez-le. Bon sang, je dois trouver un autre chemin. L'escalade. Ce jeu, je vais le saigner. Il faut savoir que j'ai pris le season pass avec, hein, bien sûr. Non, c'est pas par là, raté. Donc on va en profiter pour faire une petite pause. Donc voilà, Assassin's Creed Unity, donc on est sur une espèce de pseudo-introduction où on joue un templier, il faut sauver le temps parce que les assassins nous attaquent. C'est marrant parce qu'en fait, du coup, en parallèle à Assassin's Creed Unity, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Assassin's Creed Rogue qui est sorti aussi, où vous jouez un templier. Donc, ça me fait... Comment dire ? C'est sympa cette petite passe là, parce que du coup ça nous fait rappeler que ouais, il y a Unity, n'importe quoi. Il y a un Rock qui sort en même temps, donc je sais pas si j'achèterai peut-être, mais beaucoup plus tard, parce que quand j'ai vu que c'était le même gameplay qu'Assassin's Creed 4 que j'ai pas trop apprécié, et la même map que le 3, je me suis dit bref. Ah, tu es un peu mort mon ami. Arrêtez-le ! En tout cas, ce jeu est très très beau. C'est pas aussi beau que je m'y attendais, parce qu'il faut savoir que ce jeu n'a pas été développé en une année, parce que l'Xbox One ça va faire un an qu'elle est sortie. Et du coup c'est un peu pour ça que le jeu n'est pas optimisé à 1000%, parce qu'ils n'ont pas pu travailler à fond avec le nouveau moteur graphique. Et du coup je pense que le prochain Assassin's Creed, je pense qu'il sera vraiment très 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 bien. La tour. Ils sont entrés dans la tour. Ils sont pris. Quand même de se retrouver là, puis finalement tuer les assassins. Ah, la fameuse descente libre, la grosse nouveauté de ce Unity. La course libre en descente, parce que vous pouvez monter très facilement des murs juste en sprintant dans les murs. C'est vrai que pour descendre, c'était vraiment pas pratique. Oh là 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 là. Course libre, oh, course libre, bas. Ok, ça c'est cela. Les combats sont extrêmement classe. Extrêmement classe. Ah, tricheur. Il n'y a plus de gros sprints comme il y avait dans Assassin's Creed 3 et 4 même. Ah, merde! Les combats sont excellents. Oh, c'est une épée runique ça. Ouh, what the fuck? Une épée des précurseurs. Je savais que ça va être l'arme à trouver dans Assassin's Creed Unity. Il a une bonne tête, hein.
Je pense qu'on va la retrouver après dans le jeu à la suite. Oh là 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 là. Ils nous mettent vite dans le bain. Hein. Donc ils mettent un peu en fait en introduction peut-être le nouvel artefact hein, parce que quasiment dans chaque Assassin's Creed il y a un artefact hein. On va voir. Pape Clément, entends-moi. Avant que l'année ne soit écoulée, tu répondras de tes crimes devant le Seigneur Tout-Puissant. Et toi, roi Philippe, même le plus abominable des châtiments ne saurait effacer les maux que tu as infligés au temple. Je vous maudis. Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de votre sang. Soyez tous damnés. C'est très très beau cinématique. Ainsi prit fin l'ère de la sagesse, consumée par les flammes de la faim et de la colère. Les chevaliers du temple, les fiers gardiens ancestraux de la paix, de l'ordre et de la sagesse, venaient tous de s'éteindre. Oh là 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 là, eh. Archi content. Ouais. Ouais, on va lancer un mouchard. Au moindre signe d'abstergo, sors-moi de là. C'est bon. J'ai un visuel. Bonjour. Eh, salut. Tu dois trouver ça déstabilisant, alors écoute bien. Je m'appelle Bishop. Bon, c'est pas mon vrai nom, mais t'as pas besoin d'en savoir plus. Écoute bien ce que je vais te dire. Abstergo se sert de toi. Il pirate tes neurones dans le but de fouiller des mémoires génétiques. Cette organisation a déjà pris le contrôle d'un grand nombre de sociétés. Des gouvernements, des médias et des ONG. Mais maintenant, ils ont décidé de s'approprier l'histoire. C'est vraiment flippant, je sais. Mais notre mission est de les arrêter. Et on a besoin de ton aide. Digon, charge la séquence génétique AD16, B13, I87. Je te prépare ça. La semaine dernière, on a piraté une banque de mémoire non séquencée sur les serveurs Elix d'Abstergo. Pour le moment, on aimerait te faire explorer une partie de la ville d'Abstergo, que tu comprennes un peu mieux le combat qu'on mène. Après ça, tu pourras choisir pour quel camp tu veux te battre. Mmh. C'est à toi de voir. C'est bien ça. Nous mettre maintenant un peu le doute à ce que ce ne seraient pas les assassins les méchants avec Assassin's Creed Rogue, comme ça, voilà, c'est bien fait quand même. Bien introduit, mais voilà quoi, l'histoire est un peu moins bien faite quoi. C'est hop, tiens, on balance ça et puis basta. Donc pour le format des vidéos, parce que je vois qu'on est à 13 minutes, je pense que je pencherai un peu pour du 25-30 minutes hein, en fonction de l'endroit où on est. Genre si je vois qu'à 25 minutes on est en pleine mission, bah on l'a fini. Si je vois qu'à 25 minutes j'ai pas encore commencé une mission, bah je vais pas la commencer. Donc ça sera ça. Après tous les jours, je sais pas combien à peu près quelle fréquence je pourrais poster ça. Oh, Versailles. C'est très 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 beau. Arnaud. Ne puis-je pas venir avec vous, père ? Courage, mon garçon. Tu vas m'attendre ici. Et je reviendrai quand cette aiguille sera en haut. Ce sera très long. Moins long que tu ne crois. Et à mon retour, nous irons voir le feu d'artifice. Et Arnaud, pas d'exploration, compris ? Oui, père. Il est sublime. J'aime. Regardez-moi, c'est un peu le travail comparé aux autres Assassin's Creed, surtout les effets de lumière, mais regardez-moi ça.
C'est génial. Je crois qu'elle, ça doit être Élise. Celle qui par la suite devient Templier. Alors comment je sais? Parce qu'ils vendent une figurine Élise. Élise the Templar. C'est comme ça que je sais. Oh là là. Je suis impressionné parce que c'est vraiment très très beau, regardez. Après, il y a des base framerate qui sentent un peu lors des cinématiques. Est-ce que c'est parce que le jeu n'est pas installé à 100%? Je pense. Hein. C'est comme certains. Au moins, les textures sont moins bien. Même pas, il dit pardon, mais mal élevé, c'est le gosse. Couper. Vraiment très très beau. Je pense que ce jeu, je vais y passer des heures et des heures. Je parie que tu n'oses pas en voler une. Oh. Voleur, remets ça en place. Ils sont destinés à sa majesté et pas aux gueux comme toi. Ah, je te tiens. Très très intéressant. Je peux pas le tuer. Mais je suis caché des gardes, non? Voilà. Allez, par là. Oup. Bonjour, tu ne te rappelles plus de moi? Non. C'est trop sympa. Franchement, le boulot qui a été fait est juste énorme. J'ai vu leur tête quand on a volé ces pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise. Ah, je vous l'avais dit que c'était Élise. Avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chut. Écoute. Ne t'en fais pas. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. C'est de ma faute. C'est moi qui ai pris ces pommes. Viens, on va voir où ils vont. À mon avis, vu qu'Élise est une Templier, le père d'Élise serait un Templier, le père d'Arnaud un assassin. Et à mon avis, ils se confondaient. Mais je crois, vu que j'ai vu des cinématiques et des trailers, c'est... Putain, c'est beau. J'aime. De l'homme. Élise, père. Viens ici, tout de suite. Père. Non, c'est triste. Super, c'était joyeux et tout là, c'est pas drôle. Arnaud, regarde-moi. Très intéressant. Donc désolé, je parle pas beaucoup, mais vu que c'est le début, il va y avoir plein de cinématiques avec tout le placement de l'histoire. Donc je parle pas beaucoup pour vraiment que vous puissiez être imprégné dans l'histoire. Après, quand il y aura juste à se balader, à zigouiller des gens, je vous raconterai ma vie, etc. Bref, j'ai envie que ce game, ce let's play soit immersif. Du coup, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Voilà. Pour l'instant là, nous avons un temps de chargement extrêmement long. Ah, Cartier. 13 ans plus tard. Ah, ou à moins que le père d'Élise soit en fait un assassin. Ah, il est plus classe comme ça. Tu ne sais pas gagner sans tricher, alors il faut que tu voles, maudit chien. Du calme, Victor, je suis juste venu pour ma montre. C'est ma montre, je l'ai gagnée à l'honneur. Ce serait de ton avis si on vivait dans un monde honnête, Victor, mais ce n'est pas le cas. Il a la classe. En France. Je vais te tuer. Oh, fais attention à toi, tu vas te faire mal. Ah, lui c'est un voleur. Justement en train de discuter avec ton frère. Hugo,
Va chercher la marée chaussée. Eh, pas si vite. Diable. Je le tiens, Victor. Oh, le monde. Oh, putain. Ah, il les pousse automatiquement. Merci. Pardon. Oh là 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 là. Bon, merde, j'ai raté. J'ai raté les trucs. Pardon, Blaine. Madame. Et l'affichage des gens, c'est impressionnant. C'est principalement pour ça qu'ils ont pas pu mettre 60 FPS. Ça, je vous expliquerai ça plus tard. Pardonnez-lui, il n'est pas civilisé. Et j'avais oublié. Oh, mais putain, et c'est hallucinant. S'il y a toujours ce nombre de personnes, c'est vraiment très bien. Un crétin de forgeron dans ton genre ne sait même pas lire l'heure. Répète un peu si tu l'oses. Non. Reviens par ici! Il a l'air de s'amuser! Au voleur! Emparez-vous! Très bien, je vois. C'est impressionnant qu'on peut monter quasiment dans tous les bâtiments. Un homme sage fait reconnaître qu'il a perdu, Victor. Oh là 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 là. La main de monter en hauteur pour avoir un point de vue. Bonjour, bienvenue à Paris. Oh là 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 là. Magnifique. Et bah putain les gens, je suis archi content. J'ai enfin Assassin's Creed Unity. On va aller au domaine de la serre. Je viens de mourir la moto me moque comme une grosse merde. Parce qu'en fait je me suis trompé de touche que j'ai cru. Enfin vous savez que la nouveauté de Assassin's Creed Unity c'est de pouvoir monter très facilement, bah, comme dans les autres Assassin's Creed, hein, et de descendre aussi facilement. Et là je me suis trompé de touche entre course haute et course basse, je crois, et c'est ça qui m'a fait que je suis mort. J'apparais plus près. Mais c'est ça. C'est une autre équipement. Par contre je peux pas encore dégainer. Ah si, faut appuyer en français. Ouh, ça va, gars. C'est vraiment impressionnant qu'on puisse entrer dans beaucoup de matières. Donc ouais, franchement là, énorme travail artistique. Hein. Franchement, ce jeu se sera fait attendre, mais mon dieu, quel plaisir. De pouvoir rentrer dans beaucoup beaucoup de bâtiments et tout. Excellent, excellent, excellent. Pour ça, j'ai voulu principalement investir dans un HD PVR, surtout pour pouvoir vous proposer la meilleure qualité possible. Hop les. Hop les. Magnifiquement beau. Pour l'amour de Dieu, mais où donc étais-tu? Ah! On tient enfin, espèce de salarin! Ce n'est qu'un léger malentendu. Il n'y a pas... Est-ce que votre maître sait qu'il héberge un brigand? Il est entré chez moi en plein jour, et il m'a volé ma montre. Oh, vraiment? Eh bien, je suis sûr que la marée chaussée sera ravie d'éclaircir cette affaire. Quelle affaire, Olivier? Une accusation très grave contre c'est votre pupille, messire. Il m'a volé! Et qu'a-t-il pu te prendre? Attends-moi dans la bibliothèque. Il est vieux? Hop, l'affaire va se régler en douce. Ah, Elise! Ne me regarde pas comme ça. Victor triche quand il joue au pharaon, tout le monde le sait. Arnaud, à qui parles-tu? À personne, monsieur. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai convaincu Olivier de ne pas appeler la marée chaussée. Une nouvelle fois. Je vous remercie, monsieur. C'était quoi? La sixième fois? La septième? Il serait préférable de changer de passe-temps. Mais jouer aux cartes me donne l'occasion de prendre l'air et de faire de l'exercice. Nous en reparlerons plus tard. J'ai affaire en ville et je dois aller chercher Elise avant de partir. Elise est ici? Seulement pour cette nuit. Elle retourne à Paris demain matin. Ah, on n'est pas à Paris. Il faudra une escorte, c'est certain. Non, je compte, Versailles. Je n'ai pas envie que tu lui donnes de mauvaises idées. Reste ici et voici Olivier a besoin de toi. Le contraire m'étonnerait. Plaît-il? Présentez mes hommages à Elise. Il est amoureux. Séquence 1, mémoire 1. Continuez, reconnectez à même. Allez, connectez à même. Hop. Et bien franchement, ce jeu promet
peut-être une pure tuerie. On va essayer de récupérer des petits coffres, puis on va se finir là-dessus en explorant ce manoir qui a l'air d'être le mien, enfin celui de mon maître. Non. Ah, le fameux mode à couvert. J'entends des petits bruits. Enfin, je m'habitue à être course haut et course bas parce que c'est un peu perturbant. Non, moi je vais dehors. Ouais. Donc du coup, si nous ne sommes pas à Paris, où sommes-nous? Ah oui, bah Versailles, il me semblait bien. Ah, il y a un coffre ici déjà. Jeu d'émission nomade Assassin's Creed Unity Companion. Ok. On va essayer de monter tout en haut. Parce que je crois qu'il y a un truc à prendre en haut. Ouh. La montée toujours aussi vide. Très très surpris. Encore des petits fragments d'animus, voilà. Je sais qu'avant c'était des fragments d'animus, c'est pour ça que du coup... Ah, du coup c'est vrai que c'est petit en fait en général du coup. Petit Versailles. Je pense à mon avis on va rejoindre des listes. Mais c'est quoi cette chose là? C'est ça, course libre basse. Ah ouais, quand même. C'est bien pratique. Hop. Tout, 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 tout. Un nouveau message de qui? Bonjour. Les états généraux. Touk. Et bah non les amis, c'est la fin de ce premier épisode de Let's Play. Donc franchement, je suis archi content là. J'ai... Wouah, putain, c'est Assassin's Creed Unity, mon dieu. C'est trop bien. Enfin, on est le 13, il est 11h. Je viens de finir l'épisode, comme ça, le temps de le monter, le temps de l'upload et tout. J'espère que vous l'aurez dans l'après-midi. Ce serait vraiment très très bien, comme ça, je ne veux pas faire un épisode trop trop long. Ça fera 30 minutes, à peu près, avec l'intro et l'outro. Hein. Et qui ont été faits par Mike, le boss. Et du coup, je vous dis boujou boujou, à la prochaine. Enfin, à demain plutôt, parce que ce let's play sera quotidien, je vous le rappelle. Je vous dis boujou boujou. À la prochaine, bye, merci à tous de suivre cet épisode avec moi. Bah comme je vous l'ai dit, désolé, j'ai pas énormément parlé, mais du coup c'est parce que je veux vraiment être le plus on va dire, pas dire le plus silencieux possible, mais essayer de faire le moins de bruit possible pour vraiment que vous soyez immergé dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je fais pas énormément de bruit. Je vous fais un gros bisou, à la prochaine, abonnez-vous pour être mis au courant de toutes les prochaines sorties vidéoludiques. À la prochaine, boujou boujou, bye. Bon, ça fait 50 fois que je dis à la prochaine, bref, bye.